Julia, bonjour. Vous êtes présente dans différentes expositions de la Biennale. Comment avez-vous conçu les œuvres? Est-ce que des œuvres sont faites spécialement pour les expositions? Oui, les pièces sont principalement exposées au musée Lugdunum. C'est pour ce musée que j'ai réalisé le plus grand format, qui s'intitule Gener Manita. Et ce musée va énormément plu et marqué lors d'une visite en 2015. Et ce que j'aimais exhumer de ces collections, il y a des histoires de violences faites aux femmes qui sont donc très ancrées dans notre histoire occidentale. Et il y a surtout une sous-représentation finalement de personnages historiques féminins. Ça a été vraiment, avec la collaboration de la documentaliste, d'essayer de visiter les collections par ce prisme. Le seul portrait individuel sculpté au sein des collections d'une femme, c'est celui de Primilla. Et donc c'est une stèle funéraire, mais qui comporte un portrait assez détaillé d'un visage. J'ai réutilisé un visuel donné par le musée de cette pièce dans la collection et je l'ai incrusté dans une composition qui en fait parle de maternité ou plutôt d'une réappropriation de l'iconographie féminine liée à la maternité. Et ce travail découle directement d'une série de pièces que j'avais réalisées pour une exposition à Berlin, dont Promessa Sposa faisait partie. Est-ce que ça donne une autre lecture de votre travail d'être à côté de pièces antiques, comme là on le voit une stèle ? Pour moi, c'est très important de montrer mon travail à côté des sources. Ce qui est intéressant dans votre question, c'est qu'effectivement, je ne me suis jamais heurtée à des œuvres aussi anciennes, en tout cas physiquement. Quand Sam et Till m'ont invité à la Biennale, m'ont parlé des stèles, en fait, de ces stèles funéraires, où en fait, l'histoire, elle est gravée, il n'y a pas d'image, donc le visuel devient l'écriture. Et donc, je pense que quelque part, ça marque un peu une étape de quelque chose dans le travail. Y a-t-il une œuvre que vous aimez particulièrement dans cette exposition, et notamment une peinture, par exemple? Oui, absolument. Une petite peinture très académique d'un peintre lyonnais qui m'a vraiment happé. On va la voir. On y va. J'ai rapidement fait des recherches et j'ai trouvé très peu de choses sur Internet à propos de cet artiste et de cette peinture qui est conservée au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Elle est un peu toute seule. Elle est en petit format, je dirais un 30-40, mais elle est extrêmement forte. En fait, je trouve que la lumière, elle est extrêmement flamante. De loin, on ne comprend pas si c'est une scientifique, en fait. Moi, j'ai vu une espèce de télescope, donc ça m'a fait tout de suite penser à Vermeer. Mais là, en tout cas, il y a quelque chose qui fait pour moi éminemment écho à tout ce sur quoi je suis en train de travailler. Parce que bon, déjà, il y a le titre de l'œuvre, c'est « La vieille fileuse ». Et donc là, ça fait vraiment tilt dans ma tête, parce que bon, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a un chat en premier plan qui est en train de dormir, un chat blanc. Le chat, dans l'iconographie classique, dans la peinture de la Renaissance italienne, c'est un élément diabolique. Mais aussi, c'est évidemment le symbole, surtout quand c'est associé aux vieilles femmes, c'est le symbole des sorcières. Il y a une toile d'araignée, elle est très présente. Il y a des inscriptions sur la fenêtre. Donc il y a cette dimension un peu de sorcière. Bon, en plus, cette femme, elle est en train de tisser, mais elle est figée. Elle a une lumière qui arrive de l'extérieur, dans cet intérieur étrange, un peu dépouillé, un peu décrépite. On l'imagine en train d'attendre, de viser dans son regard une porte d'entrée de ce grenier. Il y a d'autres éléments alors iconographiques assez importants. Il y a derrière elle une commode avec une cariatide. C'est un élément d'ébénisterie, mais la cariatide, en fait, c'est un peu ce symbole d'une femme qui porte, en fait, mais qui porte aussi le poids de la vie. Il y a un verre vide, en fait, posé sur la commode, qui est dans l'iconographie classique et un peu le symbole d'un ange qui laisse s'envoler les oiseaux et un symbole de l'amour éphémère. Mais d'un autre côté, c'est une vieille fileuse, donc c'est aussi potentiellement Pénélope qui n'a jamais vu son Ulysse revenir. Et alors la pièce qui finalement est exposée ici au MacLéon, le songe d'Ulysse, était un lien avec des pièces. Il y a énormément de cyclopes dans le musée Lugdunum et il se trouve que j'ai voulu faire une représentation d'un Ulysse qui est de quelque façon un héros fragile, un anti-héros, parce que c'est un nourrisson qui est en train de rêver ou de chasser ou d'aspirer ce monstre mythologique qui est le cyclope. Et donc je ne sais pas, peut-être il y a un renversement où Pénélope finalement c'est une vieille dame qui n'a jamais vu son héros retourner et qui peut-être a fait sa vie toute seule et finalement elle s'en fiche d'Ulysse.
Et Ulysse, c'est un bébé, enfin je sais pas en fait, en tout cas ça m'a vraiment fait tilt, donc j'ai passé beaucoup de temps devant cette peinture dont j'ai très peu d'informations, par contre qui me paraît très pertinente par rapport à l'exposition sur les vies de Louise Brunet.